J'ai appris la musique, j'avais 26 ans quand je suis entré à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Quand j'ai eu mon bac, j'ai été engagé chez les chanteurs de Mont-Royal. Après ça, j'ai ouvert mon école de musique à Saint-Laurent. J'ai commencé à diriger des chœurs, j'ai composé, puis j'ai fait ça jusqu'à ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai cherché un organisme à qui je pouvais donner un peu de sous, aider un peu au financement. C'est les jeunesses musicales qui me sont venues à l'esprit. Bien heureux, toi. Ma femme avait composé des paroles et j'ai fait la musique sur. Pour le frère André. J'ai chanté avec l'OSM, j'ai chanté avec l'Opéra de Montréal. J'ai dirigé à l'Oratoire Saint-Joseph le chœur d'adultes. J'ai constaté que c'était très important que ceux qui ont du talent puissent avoir un financement. Et poursuivre leur carrière, avoir des possibilités de donner des concerts. Ces tournées de jeunesse musicale sont très formatrices à ces deux points de vue-là, c'est-à-dire un répertoire de grande qualité et la possibilité de présenter ce répertoire-là soir après soir. C'est une précieuse institution de notre patrimoine culturel. Alors, vous savez, je ne connais pas beaucoup d'organismes qui produisent annuellement près de 2000 concerts et activités. L'importance pour les jeunes d'être entourés de musique, ça forme à la beauté. C'est peut-être simple, mais seulement c'est capital pour toute une vie. Les jeunes en ont vraiment besoin aujourd'hui dans ce monde de vitesse de pouvoir s'arrêter et de goûter la beauté. Tout ce que les jeunesses musicales font pour les jeunes, c'est extrêmement important. Les gens pensent qu'ils doivent donner des montants faramineux, alors que non, une somme légère peut faire la différence.